Un quart du charbon chinois est produit dans la province du Shaanxi et les deux tiers des provinces chinoises brûlent régulièrement du charbon du Shaanxi. Mais alors que le pays se tourne de plus en plus vers les énergies vertes, la province tente également de casser son image associée à l'extraction du charbon. Nous éliminons progressivement les capacités de production de charbon excessives et rétrogrades. La dépendance du Shaanxi envers la production de charbon a été réduite à mesure que de nouvelles industries se développent. Nous plaidons également pour l'innovation dans la production d'énergie, donc ce sera plus écologique et plus efficace. De 2015 à 2018, la province du Shaanxi a éliminé plus de 88 millions de tonnes de charbon en raison d'une production excessive. Le Shaanxi a également renoncé à plus de 2 millions de kilowatts de production d'électricité générée par le charbon. Aujourd'hui, plus de 30% des générateurs de la province sont alimentés par une technologie plus récente et plus verte. 90% du méthane de houille en Chine est extrait dans la province du Shaanxi. Les experts disent que l'environnement de la province prend un tournant dans la bonne direction. Nous réduisons la combustion du charbon, nous plantons plus d'arbres et nous nettoyons les cours d'eau. Dans les prochains jours, nous renforcerons également la supervision afin de préserver l'environnement. Afin de réduire la pollution causée par une dépendance de longue date au charbon, le Shaanxi a également mis en place plus de 3 000 km² de zones sans charbon dans 11 de ses villes.